Paris s'est approché. Voici une conférence sur pavé. Oui, une conférence sur le trottoir, mesdames et messieurs. Nous allons évoquer pour vous un petit métier qui existait à l'époque de vos arrière-grands-parents, de vos arrière-arrière-grands-parents, et si ce n'est même de vos arrière-arrière-arrière-grands-parents, j'ai nommé le montreur d'image, mesdames et messieurs. Oui, le montreur d'image. Approchez, approchez, ça ne mange pas, ça ne mord pas, ça ne fera rien et c'est gratuit. Approchez. Tous les matins, quand il se lève, il a un petit pincement au cœur, quelque chose qui ne va pas, ça le trouble. Il repense à sa princesse, à cette femme sublime, évidemment. Mais il repense aussi à ce que schnock tout gris avec ses grandes moustaches. Il veut se venger, il veut reprendre la princesse. Alors, il monte son armée, mesdames et messieurs, et il repart là où l'a blessé la princesse. Mais cette part arrive avec son armée, comme vous pouvez le voir. Il arrive au château où habitait la princesse, et le vieux schnock tout gris avec ses grandes moustaches. Il y a quelques freins à ce que l'homme puisse participer aux tâches ménagères. Voilà. Merci. La fameuse légende demande un épouvantable personnage, une espèce quoi de... Quoi? Quoi? Mandrin? Oui, Mandrin. Un héros, cher collègue. Mais non, un bandit de grand chemin. Un héros, ce Mandrin, messieurs dames, un justicier. Un bandit de grand chemin. Un engagé par des valeurs, conduit. Comment? Oui. Un utopiste de première classe. Rien du tout, cher collègue, rien du tout. Qui est historien spécialiste de Mandrin, ici? Messieurs dames. Oh bah, dis-moi, c'est vrai. Mandrin est né en 1724. Malheureusement, dans une famille pauvre, encore une fois, il y en avait beaucoup à l'époque. Jugé à pendre, assez dur à entendre, à pendre étranglé sur la place du Grand Marché. Il y a une justice quand même. À pendre étranglé sur la place du Marché. Passer, mesdames et messieurs, une dernière histoire à une histoire, encore une bande dessinée à propos de l'éducation. Car vos arrière-grands-parents, ils se posaient déjà bien des questions sur des garnements. Insupportables. Voilà, mesdames et messieurs, Pierre et Briffet, regardez ce garnement. Il prend la queue du chat, ce petit crétin, et là, tire dessus comme... Enfin, pauvre bête qui part dans les cris épouvantables, c'est une horreur. Évidemment, l'instituteur qui était là, à la moutarde qui lui monte au nez, et il donne la bastonnade. Hein, alors, je vous rappelle, la bastonnade, hein, c'est pathogène, l'enfant là, et puis tac, 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 hein, c'est pas compliqué, on pense. C'est comme ça que nos aïeuls, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents se posaient des questions sur l'éducation. Merci, et... messieurs, dames, merci d'être venus. Merci, chers collègues. Laissons vos considérations psychopédagogiques de côté. Et remercions ces messieurs, dames, d'être venus écouter cette conférence sur le pavé, sur le bitume. Conférence des montres de papier, conférence sur les montreurs d'images. Merci, chers collègues. Merci, messieurs, dames, d'avoir assisté à cette conférence. Merci bien.